En couture. President, please be seated. Président, veuillez vous asseoir. Ông chúng ta cầm tổ cái chúng ta cầm để tiếp tham mặt cả. Xin đi lục trời. Ông ta ghi sẽ. Back in session, you may proceed first. Maître Antagissé, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur yes, thank you, Mr. President. J'interviens maintenant parce que right now because I just spoke with my colleague from the Nunchia team, and we came to the same conclusion that is to say that there's going to be a problem in terms of time to examine the expert. Je précise I'd like to specify first that I had requested yesterday l'expert soit entendu sur for the expert to be heard seulement plus tard, la chambre on Krang Tachang later only. Comment dire, rejeté par chamber en rejected que this nous request. Avons journée hier, mais il n'empêche but que, however, la programmation initiale the initial de Monsieur scheduling of the expert avait été faite sans was designed without expecting this new report, and I see now how the examination is unfolding, and the fact that we might have also lost time in the discussions, but I see that there's going to be a real problem regarding the sharing of time, in any case with regard to the defense teams, and we deem that we will need an extra session for all defense teams. So as of now, I am requesting the chamber to take into consideration was be done clear in English. One session for both or one session each? Une session pour deux ou une session chacun en plus? C'était pas très clair. Une session pour deux. One session for both, at least. Donc je fais la demande dès maintenant parce que request as of now on voit le déroulement et que ça va quand même how, lentement. The proceedings are unfolding and we see that it's there are many points are being raised and il y a encore d'autres points. Based on the answers we obtained this morning, there are other points that the defense team wishes to deepen, in particular in our team. So I would like to make this request as of now, so that the chamber may consider it as of now too. Mr. President, we have no objection to that. If it's possible to do with the witness's schedule, this is obviously, I think, important evidence. I don't know about his availability. Should you wish to extend him for half a day tomorrow? Qu'il est possible my understanding from my colleagues is the witness who's going to testify by video. I know that's something that's set up. We won't have a lot of questions, so that's someone who we expect can be done fairly briefly. But if the chamber is able to find additional time for this expert, we would have no objection. But you are not asking for the same extra time, or I'm not quite clear now. Nous n'avons pas d'objection, Juge Schwentz, mais vous ne demandez pas vous aussi la même, sure. I don't think I need additional time, but I have no objection to them having je ne pense pas avoir besoin de temps supplémentaire. Mais je n'ai I'm pas not saying that I might not need time, but I don't je ne dis pas anticipate que je n'en aurai pas besoin, at this time that I can't do my questioning in two sessions. À l'heure actuelle, je ne pense pas que j'aurai besoin de davantage de temps. Mr. Expert, before the break, I asked you a very long and complicated question. President, please hold on, counsel, and the co-lawyers for civil parties. You have any thinking about time? Merci, Monsieur Thank le you, Mr. President. No specific objections to the request of the defense to have je an extra session. And I share the co-prosecutor's remarks. A priori, we will not need côté. Extra time as well. Look, President. President. Mr. VOEUN, the Monsieur issue VOEUN before us here is that you have very tight schedule appearing before the chamber. And now the question to you is that if the hearing of your testimony goes into tomorrow. Si votre déposition se prolonge jusqu'à demain. And if the si hearing continue to hear your testimony continues up until 10 a.m. tomorrow, is that possible for you? Demain,
Est-ce que vous seriez disponible? Est-ce que c'est possible pour vous? Expert, tomorrow I will have a meeting at the Environment Ministry. J'ai une réunion au ministère de l'Environnement. I do not have time for tomorrow morning. Je n'ai pas de temps. That is the inter-ministerial meeting, so I cannot cancel my schedule, but I can testify today, the whole day. And for all parties, please put one question at a time. If you put many questions at the same time, I will not get all your questions. De façon concomitante, je ne peux pas y répondre. President, and répondre à toutes what about the first or second week of January, et la première ou la deuxième starting from 4 of January? Du 4 janvier, quelles sont again, vos disponibilités? What about the first and the second week of January? Première et deuxième we need semaine you de janvier. Only one session. Nous n'avons besoin de vous que pendant une session. Are you available? Est-ce que vous êtes disponible à un moment donné? Expert. Expert. For I have a tight schedule for the first week of January, but I am available for the second week of January. President, thank you very much for the information. Judge Lavent, you may now proceed. I apologize for interrupting, but can you tell us if by chance you would be available on Friday? Expert. I will go to Prevain on Friday. Je me rends à Prevain. That is the urgent task that I have to carry out. Que je dois accomplir. I need to go to Prevain on the 17, 18, and 19. Because one historical evidence was gone and is gone. I need to go there and carry out the task. Certaines preuves historiques ont disparu et j'ai des tâches à accomplir. President, one session is added for the two defense teams. Une session supplémentaire est octroyée aux deux équipes de défense. Maître Copper, vous pouvez reprendre. Thank you, Mr. President. Merci, Mr. Expert, President. I will reformulate my questions into very short questions. Let me do the following. Let me refer you to one sample of one particular cranium that you investigated. That's the example, Mr. President. There is a translation where the translation is of E3/10646.
the English ERN 012-40562 and Khmer 01-24-05-64. This, Mr. Witness, is number 6201. This is a female 6201, monsieur between le témoin, 20 c'est une and 34 femme, years old. Entre 20 et 30 ans. You describe other details vous of the skull measurement, etc. And du crâne. In the part that says overview, et dans la partie intitulée aperçu, you say the following. Voici ce que vous dites. A chemical substance stained the cranium. On a utilisé une substance and mud and dirt sur le crâne stained the outer and inner skull. Plutôt, il y avait une substance chimique qui entachait at its surface. Le crâne et de now la let boue me concentrate et de la terre, on mud and dirt du that crâne. Was found je vais me concentrer on sur this la boue skull. Et la terre qui ont été retrouvées how sur can ce I crâne verify en particulier. Comment puis-je m'assurer the mud and dirt that was stained on this skull qui ont été retrouvés sur ce crâne is from proviennent a victim of a killing in 1977 or 78 bel et bien d'une victime and not the skull en 1977, belonging to 1978, someone who was buried at the Chinese graveyard. Qui aurait appartenu à une personne enterrée dans le cimetière chinois. Bạn, sầm rạp ca vị phía rừng thủ lý nâng đầy phụa. For the analysis of mud and dirt, pour analyser la terre I am the archaeologist. The dirt usually is on the skull. Général, I would like to go back a little bit to the book crâne, that I gave to the chamber. That is the inventory book. It is not the evidence book to reflect everything. We are now mobilizing. Tout à fait exhaustif. We, nous we are now do the fundraising for having the evidence book collected and published. La the mud and dirt are two different things. De preuve et le, la publication de ce livre. The skulls. La terre et la boue sont deux choses différentes. Which are placed in the wooden stupa. Does not have a proper covers, so usually there is a dirt on scalps. There is dust on scalps, but for mud, usually, en revanche, la boue, it comes with the mud, and we cannot clean it with our simple hand. We need water to clean it. Dust usually is on the surface of the skull, and for mud usually it's firmly. It firmly stays on the mud. President, so the photo you shows to the chamber will be placed in the evidence, and please also use the serial number for it. And now it is C. Et annexé au document exhibit et portera B and C, we have placed it. La lettre Mr. C. Expert, I'm not sure if you answered my question. Maître Coppe, monsieur le témoin, je ne suis pas certain que vous ayez répondu à ma question. Moi, la question que je vous posais, c'était comment nous pouvons vérifier, nous assurer cranium que 6201 le crâne numéro 6201 est victime et bel et bien le crâne d'une personne qui a été tuée en 1977-78 lors d'une exécution à Chang'ek. I do not really understand your question. Could you repeat it? Je ne saisis pas tout à fait votre question. Pourriez-vous la répéter? Brève et concise. You spoke about chemical analysis of question. Vous parlez d'analyse chimique
Vous dites que vous avez chimiquement analysé la terre et la poussière qui sont sur les crânes. Et ma question est la suivante. Comment est-ce que votre équipe s'est débrouillée pour vérifier que ce crâne précis, avec cette boue précise, venait bel et bien d'un site à Chang'ek? D'une fosse à Chang'ek, précise l'interprète. Lawyer. When we the dust usually appears on the scalps, which we put the proper cover on les crânes qui n'ont pas été correctement protégés ou recouverts. And you want to know how could we verify whether the skull belongs to the victim of the Khmer Rouge. Yesterday, I informed the chamber already that we analyzed the components of the sample. Une analyse de la composition des échantillons. So, ainsi, usually we have the different points of analysis or criteria. Ces analyses comprennent en général plusieurs points ou plusieurs critères. We un exemple. Would know the grave size where exactly they were, and usually we have analyzed the components from different grave sizes. As for mud de chacune des fosses. On the remains, en ce qui concerne la boue que l'on retrouve sur les ossements, came la from boue the vient grave généralement yard. De la fosse en question. At Chang'ek, usually there was rain, so the mud there is different donc from that of different places. De la boue que so l'on va retrouver we ailleurs. Are very careful. Ainsi, nous sommes très minutieux. The mud at Chang'ek usually la boue consisted of de Chang'ek the est en général composée Mdeng component. D'une composante nommée Mdeng. Mr. Expert, I do not doubt that you Maître and your Koppe, team were careful. Je ne remets I'm absolument pas en find question out how you le caractère minutieux excluded de votre analyse avec votre équipe. Were either coming from the Chinese graveyard je veux juste or savoir from another comment il est possible de savoir si how un crâne scientifically vient exclude that? Du cimetière chinois ou si le crâne vient d'une exécution, d'un site d'exécution. Comment scientifiquement vous pouvez établir qu'un crâne vient de tel ou tel site? We have three points of criteria, the marks réponse. Nous avons plusieurs of critères. Killings. So il y a the d'abord les Chinese remains do not consist of marks or, traces of il n'y a killings. Pas ce type de marque, on ne les and pas number two sur is the mud on the remains. Des, et les and du cimetière number two, chinois. We et need to study and compare nous devons effectuer the une étude traces and the periods et une comparaison that those remains entre les traces et les périodes died. For instance, quelles sont mortes les personnes en question. Par exemple, Chinese would les personnes chinoises be, the Chinese body was buried within a proper coffin and à l'intérieur a d'un cercueil. Well built concrete hole. Et dans un trou, so the bones bien édifié avec were du béton. White donc, and les clean. Retrouvés étaient propres when et étaient blancs. Cut the bone, there's no dirt or dust within that bone. Aucun élément de poussière ni de boue à l'intérieur. Let me try it differently. Maître Koppe, je vais essayer différemment. Et ensuite, je vais changer you de and thème. Your team arrived, votre équipe et vous-même. 34 years after the crime êtes arrivé was committed. 34 ans après you les crimes. Yourself involved in vous-même the excavation. You Avez participé à l'excavation. In the stupa. Vous avez trouvé
ou plutôt n'avez pas participé à l'extraction. Vous avez trouvé les crânes à l'intérieur du stupa, mais vous ne savez pas comment ces crânes sont arrivés dans le stupa, parce que vous n'étiez pas là au moment où les crânes ont été placés dans le stupa. Ma question est, où puis-je trouver l'analyse chimique qui vous a permis de conclure que les crânes, le crâne numéro 6201 ayant appartenu à une femme, était en fait le crâne d'une femme qui a été exécutée à Cheonghaek en 1977-1978? Mr. President, my objection, we've heard the same question now a number of times. Monsieur le Président, j'ai une objection. Nous avons déjà entendu cette question à maintes reprises, quoique reformulée. Le témoin y a déjà répondu. Maintes fois, il nous a donné des détails the basis for the conclusion and sur qui lui a permis de conclure que les personnes venaient de Cheonghaek. So la défense refuse de l'accepter, c'est pourquoi il s'entête à répéter la même question tout en rajoutant ses propres arguments. Donc, cette question est répétitive, elle a déjà été posée et obtenu une réponse à maintes reprises. Il me semble que on touche là la base de la médecine médico-légale. J'essaie tout simplement d'établir la chaîne de conservation. On ne remet pas en question le fait. Came in 2013 and saw those skulls. La participation he says there was a verification aux travaux d'exhumation. Il dit qu'il y avait de la boue sur les crânes. That is true, but I don't c'est read vrai, it anywhere. Mais je ne lis cela nulle part. Donc la question, je how la repose, comment peut-on savoir que dans ce cas question, spécifique, et il me semble que la question est tout à fait légitime, cette femme a bel et bien été exécutée à Cheonghaek et que ce n'était pas quelqu'un d'autre, quelqu'un qui aurait été enterré dans le cimetière chinois ou quelqu'un qui aurait été victime d'une autre exécution ailleurs. J'ai déjà répondu à votre question une fois. Nous nous sommes fondés sur trois points. Tout d'abord, les marques d'exécution. Deuxièmement, ce qui était rattaché aux os, y compris la boue. Et comme je l'ai dit, s'il y avait des dépôts chinois, on n'a pu analyser des traces de boue sur ces dépouilles, mais on a constaté qu'il n'y en avait pas. The bones were soaked in the water, si the bones would be different from the bones on alors, dry land. Leur apparence serait différente de ceux qui étaient sur la surface, open part sur la terre of the, bones that we have. Nous avons and fait we actually une looked des through os. The microscope. En notre possession, nous les avons examinés au microscope. J'ai des photos que je peux vous montrer. Je peux vous les montrer we plus tard, en raison de leur volume. Cranium, in order to see nous those avons small élargi holes chaque crâne afin de voir itself there les petits we trous dans lesquels s'incrustait la matière avant de faire ou de prendre nos conclusions. Move on. Le Président, please, maître, vous devez avancer. Éviter les questions répétitives. That would mean that it conforms to the extension of time that you requested as well. Pour vous conformer we will draw our own à la prorogation de temps later, que vous avez demandé. But let me refer to what I also addressed before the break. Maître E3 slash je reviens 765. That is the another report from you. C'est votre rapport. It says that you analyzed il y a dit those 6,426 human remains. Analysé ces 6,426 restes humains. Et au point 8 et 9 de ce document, you said, vous dites that you identified avoir identifié 1,686 marks of shooting 1,686 with bullets marques d'exécution par balle. Et par que and also 990 marks of piercing et with 990 marques d'exécution par baïonnette.
You indicated yesterday already you spoke to Him Hui. Vous avez dit avoir parlé à Him Hui. Is it correct that in your conversation with him, Him Hui never mentioned anything about people being shot with bullets au sujet or being des pierced personnes with bayonets? Exécutées par balle ou par baïonnette. The figures are based on our individual analysis. Ces chiffres and se font sur notre interview to Him Hui, individuelle. Who still said that victims were not killed with rifles. N'étaient pas exécutés mostly they à were de hit with clubs. Mais let me show you one photo. Je vais vous this is a map of a bullet. Qui porte la marque and d'une balle. Another photo that I'd like to show. Je vous présenterai une autre photo. And I cannot find it, but we have many photos that we maintain in our electronic database. De nombreuses photos figurent dans notre base de données électronique. There is an opportunity, we will produce another book. Si l'occasion nous est donnée, nous produirons un autre livre about the evidence and our analysis. Pour parler de ces éléments de preuve et it has been the, de notre almost, analyse. 2 years. Cela so fait bientôt far, deux ans. We could not obtain the funding for its publication. Mais nous n'avons pas and pu obtenir de financement pour la publication de those, cet ouvrage. Database. Et ces photos sont tirées de cette base de données. And your question, in your question, you said that victims were not pierced with bayonets. Vous avez dit dans votre question que les victimes but I have many photos, in particular the mais annexes added at the photos, back. You would see au dos de l'ouvrage, President et vous pourrez constater par vous-même. Interruption du président. Just want to put on the record that the photo he has now repeatedly been referring to will be annexed as exhibit. Dont on a cessé de faire mention. Seront joints. I did mention 990 marks of piercing with bayonets. Maître Coupe, j'ai parlé de 990 traces d'exécution par bayonette. Never testified Him Hui to having seen executions devant la by chambre rifles avoir assisté à des exécutions. Neither has à l'aide de Taiteng, who testified in this court, Taiteng, who was the actual qui a témoigné devant la chambre et qui était so my question is the following. How can you explain, ma question est la suivante. In the light of their testimony, à la lumière de leur témoignage, that you have identified 1,686 marks of shooting with vous bullets. Vous avez identifié 686 marques d'exécution par balle. Just that I showed you a photograph réponse. Illustrating je the vous ai montré une photo qui illustre des traces d'exécution par balle. Identify the type of rifle that nous was, n'avons pas pu or identifier le type used, d'armes but ou de balles utilisées. Want to delve into details. Et je ne vais pas rentrer dans ces and détails. These are the evidence showing that the skull was voici pierced with a bullet. Établissant que le crâne a été percé par une balle. Illustrating the skull was pierced with a bayonet before the victim was killed, de since the wound remained there for 2 to 3 weeks before the victim died. Let me move car away, la blessure est restée just to understand, 2 à 3 semaines avant que la victime ne meure. Are your conclusions that, Maître Coupe, j'aimerais vous comprendre. 1686 crania showed signs of bullet penetration. Ont présenté des signes ou des traces d'exécution par balle. And Mr. President, just an objection because the number in here is not just the bullet shootings. It also includes the use of cleaning rods and rifles, and there's an actual photograph of that. So the counsel should needs to clarify with this question here. No problem. I'll be specific. Être précis dans ces questions. Mr. Expert, is it correct that Monsieur l'expert,
1686 crania showed marks of shooting with bullets and cleaning rot of rifles. Des traces d'exécution par balles et par culasses de fusils. Yes, and that is the figure. Réponse we examine it and re-examine c'est it. Le chiffre and que nous you avons may refer examiné. To the 32 inventory list je that we have. Je renvoie aux 32 listes d'inventaire. But I cannot remember the en different possession, figures due to the des chiffres, des number chiffres. Of over 6,000. But you may je refer to the inventory list. And it will indicate each number, and that would be consistent with the total number that I have. Et ceci est conforme au nombre total the, mark dont je dispose. Of a mark of a piercing with cleaning rod, quant aux traces we actually have de, a photograph par culasse de fusil, in the inventory list. Nous avons des photos à cet effet dans la liste President. D'inventaire. The photo le that président. You saw would be annexed. La photo que vous venez de and montrer Mr. Expert, you may also write down the exhibition number on these photos. It's a bit difficult to prepare in advance, so please write down the continuous number of the exhibition. Mentionner ou inscrire sur ces photos let me move to, le numéro des annexes the issue of trauma, à mesure qu'elles sont déclarées irrecevables. The crania or the bones. Maître Coupé, passons au signe de traumatisme let révélé me make it concrete because I think ou décelé that would be sur les ossements again, ou les crânes. Very same example, je vais être concret pour que ce soit facile. Female, le même exemple 6201. De la femme numéro 6201. You describe cracks in the skull. Vous décrivez des fissures dans le crâne. Of this particular individual. De cette For instance, personne. You say first de crack. Cette femme. Vous dites par exemple 13 première centimeters, fissure 13 centimètres. Crack in the right skull. Fissure hit with a hard object. Du côté droit du crâne qui a été atteint par down, un objet dur. Repeat this. A hard object broke the un bone. Un peu plus tard, vous dites that I can un follow. Objet dur a causé but une in fracture same, du crâne. Description of this particular individual, you say. Au niveau de la description de cette femme, this victim vous dites, was found to be brutally tortured victime, before being on a conclu killed. Que cette victime a été brutalement torturée avant d'être tuée. Now that's something I don't understand. C'est I quelque understand chose que je ne comprends pas. The killing je by comprends. A hard object on the skull. L'exécution but what I don't understand par is why the crâne, conclusion is here that this victim was found to be, quote, brutally tortured before being killed, avant d'être tué. Can you enlighten us, please? Pouvez-vous nous éclairer sur ce point? Because I do not have the inventory réponse. List with me. Je n'ai pas avec moi la liste d'inventaire. Please refer to it and je you refer renvoie. To the photos indicating notamment the evidence. À la photo. That is how the victim was posed against présentant an object. Ses signes. And où il apparaît que la photo a été second, la victime a été poussée sur un objet à la deuxième colonne de cette description. And we show the evidence there how nous many times the victim was pushed against an object, for example, le nombre de fois que or whether la victime the a été poussée, person l'objet was tortured several times en before the person was killed. Si la personne due a été to the large volumes of the documents, non. I cannot bring everything vu with me. Le volume but please refer to the inventory de list that I mentioned. Je n'ai pas pu l'amener avec moi, mais je vous renvoie à la liste d'inventaire dont j'ai parlé. Let me try differently. Question. Je vais essayer différemment. I believe the correct forensic term is je pense que le terme médical correct force, trauma, c'est traumatisme. Par objet contondant. C'est à la page 20 du rapport. This particular individual seems to have been the victim cette personne particulière of, semble avoir été victime blunt force trauma, d'un traumatisme hit at her, exercé par un objet contondant ou un objet dur death. Qui aurait but my question is how probablement how entraîné are you sa able mort. To establish
Ma question est la suivante. Comment avez-vous pu établir en général et en particulier que cette personne a été torturée? C'est quelque chose que je ne comprends pas. Si vous voulez une réponse précise, au particulier, il faudrait peut-être lui présenter un document car il ne sait pas de quel cas vous parlez. Maître Cooper, Monsieur l'expert. I'm not sure you have it with you, je ne sais pas si vous avez le document avec we vous. Only have a translation of nous the description of female 6201. What I can do is I can read it to you. Mais je peux vous donner lecture. The skull shows four cracks. Le crâne présente one of 13 centimeters, one of 9, one of 6 centimeters, and centimètres, one of 2.5 centimeters, and enfin 2.5 centimeters. Toutes ces fissures it's said are caused by a hard object. Il est dit qu'elles ont été causées par un objet dur. This is what it says after the analysis. Voici ce qui est dit après l'analyse. And based on the evidence of the cracks in the skull, des signes de for example, the first crack par exemple, in the right skull la hit première fissure with a hard object breaking the bone. Du crâne the second crack in the left skull une fracture, hit with a hard object breaking the bone. La deuxième fissure du côté gauche the third du crack crâne in the forehead a été touché hit par un with a hard object breaking the bone. And the fourth crack in the troisième right skull line hit with a hard object breaking the bone. Qui a été touché par un objet dur, this victim was found to be brutally et tortured before being killed. Du côté droit de la ligne crânienne, why qui is the conclusion that this person was brutally tortured de l'os. Before cette she was killed aurait and été brutalement torturée avant d'être tuée, telle est notre result conclusion. Of those four blows. Alors pourquoi dites-vous que cette victime aurait été brutalement torturée avant d'être tué alors que nous savons que sa mort a été causée par les quatre thank coups portés, tels que la teste de la fissure. Réponse. Or torture, nous avons analysé les marques d'exécution et de torture on, et nous nous sommes exclusivement fondés aspect. Sur les aspects techniques. Since I do not have the evidence of this victim étant with me, donné que je n'ai pas avec moi the documents that les éléments de preuve to, concernant cette victime, je n'ai pas non plus les documents dont vous parlez sous les yeux, je peux vous donner un autre exemple. President, le président, court officer, veuillez patienter. Please, take the document from the counsel, veuillez prendre le document des mains du expert. Conseil de la défense and pour please, le remettre as I stated this morning, before you refer to a document, monsieur please indicate the document and hand it mais a copy and a copy to the expert. À l'attention des parties, avant de citer un document, il faudrait donner une référence. A question. Witness, could you listen? Juge Fens. Witness? Monsieur le témoin. Not easy to get your attention, entendez-vous, okay. Monsieur le témoin, c'est difficile. Witness. De retenir votre attention. If a person is hit monsieur le témoin, four times si une personne head, est touchée quatre fois à la tête with a blunt object, do you par un call objet contondant, appelez-vous cela de la torture? But đại sa ca pa tung kịch nơi là liệt ba nó bị bùng ban trượt. The trauma on the skull, although the depth was shallow, and we could only see the dent, it means that the victim did not die straight away. This is my short answer. La blessure n'était pas profonde. L'on voit uniquement la bosse. Ceci signifie que la personne n'est pas morte directement. If the victim was hit and died immediately, you could see the hole. Et elle est morte sur le cou, on peut voir le trou so if I understand you correctly, sur le crâne. Analysis si je comprends bien votre analyse. Fractions came at a different time. Ces fragments seraient apparus à des moments différents. Vous avez bien compris? Not all four blows were dealt at the same time. Or is this not what you are saying? Les quatre coups ont été portés au même moment. Ou c'est but pas ce que vous voulez dire. Please see the bờ dương bình nít mơ khăn cõi ní. Mark, that is the third crack. Réponse. You could see je vous renvoie à la troisième this side fissure. Was hit. On peut voir ici
and it could mean a serious hit, touché. But the person did not yet die. Ce coup était, c'était un coup grave porté à la victime, and when mais I see this photo, it jerks my memory. Lorsque je vois cette photo, that another important aspect is that ravive ma mémoire when sur un autre the victim important. Was hit. And there was lorsque an internal bleeding, the blood interne, would seep through the bone, le sang, and that makes the victim sick. S'écoule the blood à could le go through the brain. Et il peut également since avoir this un is cérébral. A black and white photocopy, if you see it in color, you could see nous avons ici une photo en noir the image is a bit darker in color. Mais en couleur, sum up, the reason you called it torture in this case was sombres. Because the witness didn't die immediately le témoin n'est pas after the blows mort immédiatement après, que, après avoir été frappé. The blows were executed, but suffered for a longer period of time. Is this the reason why you called it torture? Pendant longtemps. Est-ce la raison pour laquelle vous appelez cela de la torture? Ba trâm trâu đôi lục sợi lược làng chẳng hay cả réponse. Ce que vous dites est exact, madame la juge. Suffered quite a long time. La victime a souffert and that's why pendant I longtemps. Conclude that the victim c'est la raison pour laquelle tortured. J'en conclue qu'elle a été torturée. Because when the victim was killed immediately, car, the blood would si not remain there and the area became le darker. Sang the only the interaction endroit, for the changing in color only happened after 3 to 5 days. Le changement de coloration n'intervient and qu'après I may 3 ou 4 also jours. Be asked why this victim died. Et vous vous demandez we could not say that the person died because there were blows on the skull. On this is only an analysis on the cranium. Or the person could be hit on different parts of the body, for example, on the neck. Le crâne, but mais la personne our analysis des only ailleurs, focus on the analysis nuque. Of the cranium. Mais notre analyse so, and it led to the conclusion that the person was tortured before nous a à conclure the person died. Que cette personne a été torturée avant sa mort. President, regarding the document that you le handed président. To the expert counsel, maître, do you have the document number or the end number of that document? Avez-vous les yes, ou la cote? That is the Khmer equivalent of E3/10646 but let me follow up, Mr. Expert. Monsieur l'expert. Aside from the question whether these conclusions are within your expertise as an archaeologist. Let me read to you something that Dr. Nancy Beaven said or wrote in her report, E3/10643. This is in her executive summary on page English page 5 on the top English ERN 01235385 and Khmer 012354405440. This is what she said, and let voici me read it to dit, you. Je vais vous donner lecture. It was important, il était important that the evidence of trauma was recorded les signes de traumatisme before the cleaning and consolidation. Avant le nettoyage et la because consolidation. The method of the work car, la to clean de travail and consolidate could have produced markings aurait pu produire that could be mistaken for evidence of trauma. Qui aurait pu être prise pour des signes de traumatisme. Let me first ask you, do you agree with this? Première question. Êtes-vous d'accord avec elle? Yes, that is correct. Réponse. That's fine for the utilization of our tools. In the laboratory, we have to be very, very careful nous with them. Faire attention, très attention à l'utilisation we, des instruments could not en laboratoire. Use tools that would introduce new marks on the remains. Utiliser des instruments qui pourraient introduire de nouvelles traces sur les ossements.
you have to be very careful in your work method because vous devez that already être très prudent dans votre méthodologie de travail. Could lead to cela pourrait markings that could be mistaken for evidence. Créer de nouvelles traces qui pourraient être prises pour des éléments de preuve. That have been lying there for 34 years, at least since you came, could have avez-vous jamais pensé que all kinds of trauma qui not caused ont été by là depuis 34 ans avant votre arrivée pouvaient présenter tous ces traumatismes non causés par les exécutions en soi. That is correct. Réponse, our research and analysis of these 6,426 remains, we found masks which were not the masks of the killing, and we excluded those masks. Et nous avons Let me give you an example. When people assumed the remains, les gens those masks were new, and we excluded them or separated them from the masks on the remains. And we did not count those new marks. Décelés sur les ossements. Nous n'avons donc pas pris en compte ces nouvelles traces. I understand. Is it correct when I say that you that one can identify marks which were produced que l'on peut identifier. In Latin ante mortem des traces before death? Antemortem, à savoir conduite avant la mort, périmortem pendant death, and post-mortem le décès et postmortem après le décès. Is that correct? Est-ce exact? But. Yes, that is correct. Réponse oui. Let me show you an example. This is a photo of a victim Voici before the victim une photo died. D'une victime. These marks were before the victim was dead, and you could see this wound was partly healing, que cette blessure and it took almost probably 2 weeks for the victim to have this wound before the victim died. Et, so the evidence of the killing was different. Donc les signes d'exécution étaient différents. On signs of, question. Je vais me focaliser d'abord sur les signes before death. If I have a look at your report E3/ d'après votre rapport 10,765 English ERN 013-36753. ERN shortly, Je Mr. President. Under Mark 12, I read as a mark of torture being inflicted. Trace de torture infligée. 1630 marks of slamming against hard stuff. Could be walls or concrete de choc floors. Contre un élément dur. My question, Mr. Expert, is how mur au carrelage. Did you determine Ma question that est those suivante. Marks Comment avez-vous pu déterminer would result que ces traces of torture? Why not somebody pouvaient résulter de la torture had fallen in completely different circumstances et non pas and still had that mark? D'une can chute, you par expand, exemple, can you une explain personne aurait pu tomber why dans quelques circonstances et présenter ces marques. Pouvez-vous nous dire pourquoi ces signes devaient nécessairement résulter de quelque forme de torture? There were marks of slamming against a hard surface, and that leads to the different color of the bones. The bones became darker if you enlarged it. And you may ask if the person fell down elsewhere, and why could I say it's torture? In fact, we examined it and re-examined the condition or the status of the victim.
before the victim was arrested and detained at Dulles Lane, we asked Hum Hoi nous avons posé la question à how Hum long would the person be detained before the person was killed, and he said the shortest period was for 2 to 3 weeks. If the prisoner was not involved in any ongoing investigation, so some victims would be detained for 3 months, while others would be detained for a year or two before the person would be killed. If the person fell down while under detention, we would say that that is a form of a torture. If the person had freedom, the person would not libre, fall there, elle ne serait probablement down, pas tombée. Down elsewhere or in the rice field and would not have this crack in the skull. Elle serait tombée ailleurs dans une rizière et donc n'aurait pas President. Cette lésion dans le crâne. Mr. Expert, regarding the Président, photos that you have shown in your response, please annex it into the transcript of the record and putting the serious numbers of the exhibition from the previous exhibition letter. But Mr. Expert, presumably many of these victims had been soldiers engaged in heavy combat Maître and all kinds of other activities. Isn't it true that you are speculating now that marks of slamming against hard stuff is the result of torture? Aren't there in fact many other torture, reasons or causes for such trauma? Raisons à l'origine du même traumatisme? In reference to our conclusion, réponse pour expliquer notre conclusion, it is a conclusion based on the evidence. Dire qu'elle repose sur des éléments and allow me to factuels. Clarify the matter to you, Council. Je vais clarifier la chose, we maître. Had a separate committee who would Nous come to review our work on a monthly basis, whether our analysis is consistent. Qui venait s'assurer so que it was not only our group of 16 crew members who could freely make our personal analysis, but there were different parts of the committee who come to have their monthly inspection. Faire leur inspection mensuelle. And the committee members sent information to the government, that is to the municipality, then they invited another expert, that is Nancy Prevent, who subsequently produced the book, expert, and that is to avoid any mistake and or confusion. And that rapport, is the reason why a New Zealander was brought confusion. In rather than a Khmer citizen, so that the standard would be internationalized. So our work Khmer, would be examined at four stages. Un examen en quatre phases de notre travail. President, Council. Maître. Please try to avoid using any word to mean speculation by an expert. You may refer to the conclusion made by the expert, not a speculation made by the expert. De spéculation tirée par un expert. One question which pertains to what counsel just asked. Début d'intervention inaudible. He was mentioning une question par rapport à ce que vient de dire slamming marks, il parlait de marques meaning de choc, marks left on the body que l'on a attributed sur le corps to qui ont été slamming against a hard object. À un choc contre un élément now, dur. Is it possible, est-il possible to determine how long before death de déterminer these slamming marks à quel moment avant la occurred? Mort is it possible to say that was 2 weeks before his dire, death, eh bien, or 2 years before his death, or mort, is it not possible, mort, or does it depend on the case? De déterminer la date à laquelle a eu lieu le choc avant la mort, ou est-ce que cela dépend des cas? This is an interesting question voilà because I have been asked this question on several occasions. C'est une question que l'on m'a posée à maître clarify. There are different kinds of marks.
For example, the mass that happened or appeared before the person was killed, and what was its status. This is a mark of being pierced with a bayonet. Ici, on a une trace de marque. And that happened before the person died. Qui a eu lieu avant and if you look at the bone here, le tissu you could autour, see wounds. Qu'il y a des blessures. So you could see wounds on those bones. On voit donc and that il y a des blessures could mean that l'os. it had happened before the person died. Que le coup a été porté and avant que la personne to answer your question, I cannot respond to you. To answer your question, you need another expert on the vous avez besoin d'un autre expert. On the type of sickness of bones. Sur les maladies in osseuses, this book, sur les pathologies it indicates about là, the analysis livre, of the types of sickness of the bones. Une analyse approfondie de toutes les pathologies osseuses. And you need that kind of expertise to answer your question. Dont vous avez besoin so pour to summarize, votre question, you personally, are in no position and not able n'êtes pas en mesure, n'êtes pas en to say de how long before the death of a person avant la mort slamming d'une marks personne, occurred. Les marques this ont is été correct. Ont eu lieu. We would need other experts pour for cela, that. Il nous faudra un autre expert. C'est bien ce que vous nous dites. That is correct. For our team, we only analyze the marks of a torture and the marks of killing. And for the duration of the torture or wounds before the persons die, we did not have the ability or the appropriate laboratory to conduct such analysis. We try to find prehistoric remains. For example, the remains that was 2,500 years ago, exemple, we did not have the ability to do it. We had to send it to South America or to France or to Australia for the analysis. Mais pour les analyses, since we did not have the proper France, laboratory Sud, to make such analysis here, because the equipment is very expensive. Coûte très cher. Mr. Expert, let me ask you a very concrete example. Monsieur l'expert, j'ai un exemple très concret au sujet duquel je veux vous poser une question. Dans ce même document, about torture inflicted marks, under number 15, you indicate 11 marks de suite de torture. Vous from indiquez steel qu'il support y a au numéro 15, head of the photo chair. 11. And my question is that traces. Something that you concluded on the basis des taux métalliques. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez cranium, conclu après examen des crânes ou est-ce que c'est une conclusion wrote down because you knew, que vous avez portée par écrit either because of him Hui telling you or you having visited parce que Jules Lang that such a photo dit, chair parce que existed. Vous étiez allé à Jules Lang et que vous saviez que ce type d'instrument existait. But Slatsnam, the Mui Slatsnam, Ying Ban, we peer, Yang Jet Lex. We made our analysis and we actually measure the steel support head of the photo at Jules Lang. And we compare it to the marks on the back skull of the victim. So we actually analyze the size and the impacts that led to. The dent on the skull, whether the size of the mark matches the steel support head of the photo chair. À cet étau métallique qui servait pour la prise de photo. That's very interesting. Maître Coppe, voilà but what about mais qu'en est-il the tools des outils that you said were used? In dont vous your affirmez report, qu'ils ont été utilisés dans votre rapport 3647. English ERN 0124 0479 04 we see an overview of all
weapons or tools being used de tous les outils in the killing. Ou toutes les armes qui ont we été see, for instance, utilisées pour les exécutions. A bamboo stick. Exemple, we see a photo of a wooden bambou, stick. On a une photo également we see d'un a photo bâton de bois, of a bayonet, on a également une photo de bayonet, a knife, de couteau, etc. My question is, where are these tools coming from? Where did you find je m'interroge, these où avez-vous tools trouvé that were ces used outils qui ont for été the killing? Utilisés pour les exécutions? La réponse est très simple. As Jesse Prince explained to you comme about the amount of the lorsque je vous ai parlé steel, des marques dû à l'étau support head, these tools were reconstructed. Ce sont des outils qui ont été in order to see whether they match the crack si oui on the skull. For example, this photo, which is as the annex exemple, at the back of the book, whether the mark here is consistent with the blow by the head, by the back of the hole. So we made the comparison. Le dos de la binette. For example, whether the mat was a result of being hit with a square wooden stick. Correspondait because à une forme carrée qui aurait correspondu those, à une matraque kills carrée. Used by, nous n'avons the pas retrouvé les armes qui ont été utilisées par les bourreaux. Due to the passage of time, et à cause, if we do not use a sample du of temps a square qui s'est écoulé, wooden si stick, nous n'avions pas we utilisé une comparison. Matraque de forme carrée, nous n'aurions pas pu but effectuer the, tools de comparaison. That we use for comparison ceci étant, are les newly outils que made, nous avons utilisés not, the tools from the era, sont nouveaux, ce ne sont although pas des outils they, d'époque. In similar shape and même form, si leur forme if you see the crack and the dent on the skull, si vous reprenez ici la lésion que l'on voit, if la I fissure. Omit the middle image, then you cannot conclude that is from a square wooden stick. Sometimes we cannot distinguish whether it was the mark from a wooden stick or from a bamboo stick. Si c'est une matraque en bambou ou une matraque en bois. Except only when we see the actual marks, lorsque l'on voit la marque did we à proprement make parler. Such a conclusion. Et ce n'est qu'à ce moment-là que l'on peut tirer des conclusions. Before the break. Mr. Expert, Maître Copeau, is Monsieur it correct if I say that de dire many of the conclusions que de nombreuses conclusions of either killing or torture de torture ou d'exécution could only be reached because you had additional information either coming from ne sont possibles que parce que vous avez reçu des informations supplémentaires, soit qu'elles vous aient été livrées par Imhui, soit words, qu'elles aient été obtenues par d'autres moyens. En d'autres termes, est-il exact de dire que vous n'auriez pas pu parvenir à ces conclusions si vous n'aviez pas eu ces éléments supplémentaires like pour corroborer vos conclusions, comme par exemple les informations livrées par M. Imhui? Yes, oui, that c'est is correct. Exact. In our forensic analysis, lors de nos analyses médico-légales, we cannot only rely on the one person as our conclusive evidence. We have to synthesize tirer des conclusions. Il nous a those fallu relevant synthétiser information, toutes les informations pertinentes. And within that context, we et made our conclusion. C'est if compte tenu only de tous ces éléments de contexte, nous avons tiré nos conclusions. Si Hemroy avait parlé bullets, des victimes et avait dit de ces victimes qu'elles avaient été tuées par balles, eh bien, nous aurions pu en conclure course, que c'était exact en voyant les traces de balles sur le crâne. From him, naturellement, we les informations qu'il nous a données ont été très utiles, mais nous ne pouvions pas conclusion. Nous fonder uniquement sur son témoignage pour tirer nos conclusions. Président.
President, thank you, and thank you, Mr. Expert. It is now a convenient time for our lunch break. We take a break now and resume at 1:30 this afternoon to continue our proceedings. Court officer, please assist the expert during the break time and invite him back into the courtroom at 1:30 this afternoon. Security personnel, you are instructed to take him some pawn to the waiting room downstairs and have him return to attend the proceedings this afternoon before 1:30. The court stands in recess.